Yo, c'est Burilice, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout un nouveau jeu, une nouvelle découverte. Une nouvelle découverte puisque j'ai accès pour quelques heures Crime Boss Rocky City. Un jeu qui a été un peu éclipsé hein, de sa sortie, on peut le dire. Hein. Il n'a pas fait beaucoup de tabac. Mais nous, on est là pour tester ce jeu justement et voir ce que ça donne. Nouveau contenu, nouveau système de progression, débloquer des membres d'équipe, des armes, des cosmétiques et d'autres récompenses. Personnaliser votre boss en multijoueur et dominer Rocky City. La progression multijoueur en cours réinitialisée et la progression solo en cours prend fin. Les joueurs existants sont dédommagés en recevant des récompenses. Ah! Les histoires ont été remaniées avec de nouvelles applications et la progression d'enquête permet désormais de progresser plus vite avec plus de variété. Nouvelle mission, un complexe témoin clé et une alternative de haute sécurité au braquage de l'entrepôt. Nouvel équipement, sac supplémentaire, grenade à fragmentation et tourelle déployable. Les cartes de Baker, les avantages et les niveaux des membres d'équipe ont été remaniés pour s'aligner sur le système de progression. Et de nombreuses corrections de bugs et ok. Là, c'est là, rien que ça, déjà ce speech là, ça prouve que le jeu a été mal reçu. Et qu'ils ont changé plein de trucs. Mais nous on est là justement pour tester ce jeu parce que moi je sais pas comment il est en fait. J'ai pas pris le temps de regarder. Tout ce que je peux dire c'est qu'il y a un casting de malade. Ça c'est clair. Donc on va regarder ça. Bien évidemment on va pas faire du multi. On va faire du solo, du solo, du solo. Mais d'abord on va aller dans les langues. Ça c'est quoi ça Mir? Je sais pas c'est quoi Mir. Mir, ouais, ici ça doit être ok. Fichier pings, on s'en fout. Allié en surbrillance. Ouais, pourquoi pas. Ok. Est-ce que c'est simple les touches? Sprint, frapper, inviter, qui est sauter. S'accroupir. Carré, c'est quoi? Commande de bot, suivre, recharger, utiliser, ok. Attendre, changer, ranger là, ouais, ok. Bon, allez. Pour tirer, viser, c'est du classique. Lâcher objet L1, ok. Envoyer un ping. What? Crier. Menu du bot abandonné. Pardon. Changer de mode de tir, ok. Bon. On verra bien. Mode de rendu performance, qualité. Qualité, ça a l'air beau. Hein. Mine de rien. Les effets là par terre. Oh, on va faire en qualité, hein, ça a l'air vachement beau. Ça va, c'est vachement classe. Ok, le son. Ça a l'air d'être ok. Son activé. Ouais. Bon, on verra bien. Nous verrons bien. Alors du coup, il y a campagne, jouer la bataille de Baker, multijoueur, entrer dans l'univers des braquages. Ok. Je sais pas ce que j'ai 42 sur 170 débloqués, alors que j'ai rien fait encore. Bon, ok. Alors on a Roguelite. Faites tout votre possible pour vaincre tous vos rivaux dans une tentative culottée de prendre le contrôle de la ville. Il y a Gold Cup aussi, mais je peux pas le faire ça. Alignez-vous avec Dollar Dragon. Planifier un cambriolage, pas piquer des hannetons dans le plus grand dépôt d'or de roquet. Ok. Bon, on va faire ça. C'est très bien. Rocky City. The crown jewel of Florida. The ocean meets crime. So you wanna be a criminal, do you? Game on!
vice and crime. All that aside, we have a job to accomplish. Shall we proceed? Our goal today is to obtain items of high value from this jewelry store. As your first mission under my command, there is no room for improvisation. One of you will slip around to the back of the shop. Ok, bon, vous avez compris, c'est un mode braquage un peu à la Payday. Faufilez-vous dans le jardin, ok. S'échapper, porte. Ok. Il y a toujours un guet. Qui guette. On est avec Stomper, Wolfy et Galaxy. Ouais, ça a pas l'air des trucs de fou quoi. Though it appears encumbered, you should be able to make a way through. You must handle any civilians. Assert a threat of violence and they will become biddable. Avoid problems by restraining them with zip ties. Everybody down! Get on the ground! Everybody down! Stop fucking moving! Stay still. Well done. Your weapon, conceal it. Okay. Avertissement. Si on vous aperçoit faire quelque chose de suspect, vous recevrez un avertissement. Une infraction plus grave alerteront immédiatement les autorités. Ok. Ah, ok, une caméra. Appuyez sur flèche de haut lorsque vous regardez un objet ou un ennemi pour le marquer de votre équipe. Whatever heavy object you can find to strike the camera. Adieu. Good. Breaking just one camera is innocuous. Suspicion will grow if more cameras become disabled. Crochetage. Bougez le kit de crochetage jusqu'à trouver le point idéal. Appuyez sur R2 pour enfoncer la tige. Get on the ground!
Better to be sure. Search the guard for a key card. Down! Now! Make your way into the control room. Ah, je peux déjà voler des trucs et tout. Stylé. Rien à voler là. Bon, on va aller activer le truc. Hein? Allez, hop. In the security room, access the terminal and disconnect all cameras. Ok. Un mec, apparemment. Là aussi, ah, c'est le mec, c'est le même, je crois. Ouais. Good. You are well prepared for a swift and clean undertaking. Perhaps another crew member could assist. Alors, on va choisir le personnage. The front door. It's time to begin. Breach the main entrance to the store. Not a solo endeavor. Indicate a target and a collaborator will move to subdue. I want to pose one. Fuck, I think I did. Good night. Oh, comment il vient, toi? Il vient en courant presque, limite. Associates can be directed to complete various tasks, such as the accumulation of assets. Flèche de bas. R3 pour détruire vitrine, ok. On entend les flics. That's three. We've got half the loot. Four. It is time to make our exit. It is best you continue unnoticed. That will suffice. Move back to the vehicle. Like the quiet. Allez les gars! Allez Tira là, ou je sais pas son nom bizarre là. Excellent. Good work. We got it. Allez, bouge!
Dépêche-toi. Ça a l'air un peu vide quand même comme ville, hein. Allez, on se casse. Good. This operation met all expectations. D'accord. Have you ever heard the name Travis Bitter? If you wish to pursue this line of work, I can be found at this establishment. Ok. The king. I gotta hand it to him, he's held Rocky with a fucking iron grip. Son of a bitch made this town into a hustler's heaven. But old kings grow weak, and this guy, he's a goddamn dinosaur. So the king and his inner circle all got pancake. This town is wide open. We rule everything. I'm all for war. We go for the turf. Every bit of it. Could be good. To war. To war. Everything! Okay. Alors, bienvenue à Rocky. La mort prématurée du roi a déclenché une guerre des gangs dans tout Rocky. Aider Travis Bitter à venir à bout de ses adversaires et à s'emparer de la couronne. Effectuer des déplacements stratégiques sur la carte, qu'il s'agisse de prendre le contrôle du territoire ou de braquer des banques. Revendiquer des territoires. Vous pouvez revendiquer un territoire neutre en envoyant des soldats et en dépensant de l'argent. Revendiquer votre premier territoire. Ok. Alors, on va un peu lire un peu tout le monde. Hein. Don Barbaro. Les Italiens ont tendance à rester dans leur coin et à filer droit, à condition que ce soit à leur avantage. Ce sont les mieux équipés et ils s'intéressent surtout aux objets high-tech. Territoire 3, palier de l'armée, palier 3. Baker, neutre. Chico, Strève. Raider, Strève. Et Sicarios, Strève. Et Sicarios, carrément. Ah, du coup, bah, Baker, c'est nous. Un petit trafiquant de drogue vient d'arriver pour étendre ses activités et se voit offrir une chance de réaliser ses rêves et de s'emparer de toute la ville. La chance sourit aux audacieux, mais la morgue aussi. Respect faible, territoire 0, palier de l'armée vide. Chicos, froid, et tout le reste en est neutre, ok. Ensuite, il y a Khan, se prend pour un descendant du grand Genghis Khan et veut prendre le contrôle de tout le paysage à l'aide de son puissant gang de motards, les Riders. Il est coriace et n'a aucune pitié pour ceux qui se mettent en travers de sa conquête de Rocky. Territoire 6, palier 1. Et il est neutre avec tout le monde, apparemment. Yellow, un fêtard qui a le sens des affaires. Il semble peut-être ne rien prendre au sérieux et il profite pleinement des plaisirs de la vie, mais ne vous y trompez pas, son attitude joviale cache en réalité l'esprit aiguisé d'un leader. Territoire 6, palier 1. Trêve avec Sicarios, froid avec Graves et neutre avec les restes. Ok. Dollar Dragon, ancien bras droit du défunt roi Dollar Dragon, cherche à venger la mort de son chef et à restaurer l'ordre. C'est un homme raisonnable et de la vieille école, mais il n'a aucune patience pour les âneries des autres. Territoire 7, palier 1. Il en trêve avec Chico et reste en neutre. Ok. Ok, on a tout fait. C'est qui Ah bah Yellow, c'est machin alors, du coup. Ah oui, c'est avec lui que je suis en froid. Ok. Donc là, il faut choisir un Antigua ou Swamp Road. Allez, pourquoi pas. Let's go. Produit de luxe. 3 399 $. Nouveau soldat 3. Revenu quotidien 5 000. Ah ouais, on pourra quand même regarder l'autre. Ouais, c'est quasiment la même chose. Ouais, ça a l'air mieux quand même celui-là. On va prendre celui-là.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, maintenir pour prendre le contrôle, d'accord. Ok. Recrutement de soldats. Vos soldats sont essentiels dans la guerre de territoire. Ils meurent et sont dépensés lors des attaques et des défenses. Recrutez plus de soldats pour continuer à vous développer. Attaque de territoire. Pour revendiquer un territoire ennemi, vous devez vaincre le gang ennemi au combat. Vous pouvez doser la quantité de soldats envoyés et d'argent dépensés à l'aide d'un curseur. Attaque. Attaque l'ennemi. Ok. Ok. Donc ça, j'ai pas compris. Recruter des soldats, d'accord. Faut que je recrute plus de soldats. Ok. J'ai combien? J'ai 70 000 sur moi. Ok. Soldats disponibles. Voilà. Ça c'est fait. Alors, voyons voir ça. Attaquer territoire. Produit de luxe, 7719. Nouveau soldat 2. Palier 1. C'est Sicarios. Très... Oh putain la roche. Et là c'est quoi? Ah bah c'est machin ça. Récompense capture deux nouveaux soldats, une arme. Équipement électronique 8419. Ah, ça a l'air peut-être un peu plus intéressant ça. Allez, on va faire ça. Let's go. Soldat. Risque moyen. Ouais. Et toi, si je refais l'autre, du coup, ça fait quoi? Risque élevé, ouais. Ouais. On va faire l'autre, hein. On va rester sur ce que j'ai dit. Préparer l'attaque du coup. Alors les bleus c'est moi du coup. Ah mais 20 soldats, c'est très bien. Hop. Ibiza, le meilleur endroit où faire la fête. Yellow aimerait bien s'y rendre avec toute son équipe. They can't fuck with us. Yo, watch out for the frozen pussies on the road up ahead. Ah oui. Attack offense. Fierce and fucking fast. Défoncé hein. Voilà. Ah. Voilà. Nickel.
N'importe quoi. Ok. 4 chicos vaincus, 2 soldats vous ont rejoint, 8 soldats morts. Ok. Les missions sont votre principale source de revenus. Elles se différencient par leur type, leur risque, leur coût de préparation et leur récompense. Au fur et à mesure que votre respect grandit, les missions deviennent plus dangereuses et les récompenses plus généreuses. Ok. Essayez de faire un braquage. Effraction. Et ça c'est quoi? Chien dragon. Risque faible, pénétrer dans un bâtiment sécurisé en profitant de l'obscurité nocturne, faucher tous les objets de valeur que vous y trouverez. Objectif principal, cambriole l'entrepôt, valeur attendue 15 000 $, butin attendu, équipement électronique, afficher l'objectif, terminer avec le boss dans l'équipe. Ok. Et ça, c'est quoi? Risque extrême, oula. Les préparatifs sont terminés, profitez de l'obscurité pour descendre à la banque, trouver la chambre forte, protéger et voler le précieux trésor de la famille Zhang. Zhang. Jour avant expiration 2. Objectif principal, voler les chiens dragons. Valeur attendue 166 000 $. Affiché objectif terminé avec le boss dans l'équipe. Ok. 17 000 $ en. Alors, on va faire ça là plutôt. Hein. ça coûte un peu moins cher quand même. 3000, même pas, même 2300. Alors, du coup, je peux mettre qui je veux dans l'équipe. Ok, il y a qui a Travis, donc ok, bon, on va mettre déjà lui. Wolfie, Galaxy, Stamper, ok. Carrément une machette, hein, poche. Ah, pas de baseball, ça c'est bien aussi. Bah écoute. On va prendre elle. On va prendre elle. Et on va prendre... Prends lui. Ah, équipe de choc. À peu près au courant de comment ça fonctionne tout ça. Ok. Je vais prendre lui plutôt. Ok. I'm here. It is favorable that they are unaware of you. Search the boxes. Ah, il a repéré les caisses.
the alarm comes law enforcement. Get ready. Ok. Déjà. Une blague. Put your horse shit. Attends, comment on fait encore pour changer de perso avec comme ça? Allez là, Stomper, qu'est-ce que tu fous là? Dégage toi. Allez, on se casse. Let's go! Stomper, il a deux sacs carrément. Tout va bien. Hey Galaxy, qu'est-ce que tu fous là? Faut se casser là! Même pas de sac en plus. Yep. Ouais, on se casse. Well, there's plenty of room to... oh, c'est un peu facile quand même, hein. Bon, en même temps, on s'est fait griller un peu facilement par contre. Ah, le jeu a l'air quand même assez basique quand même. Hein. Ça a pas l'air un truc de complètement dingue. Alors. 15 000 part de l'équipe, moins 1700, ok. Ben voilà. Statistiques débloquées. Promotion disponible. Ok. Enquête policière carrément. Fin de la journée. Ok, bon j'ai pas le temps. Promotion. En envoyant un membre de l'équipe en mission, vous lui faites gagner de l'expérience, ce qui permet de se qualifier pour une promotion. Les promotions augmentent les statistiques générales de la part de mission et apportent des avantages ainsi que de l'équipement. Et... ok bro. Alors, terminé la journée. Yeah, okay. Who is left? This town's chronic troublemakers are Khan, savage Mongolian warlord, ELO, pretty boy who runs the party gangs, and the Dollar Dragon, the late king's right hand. And there's a new guy trying to push his way in, the Candyman, Travis Baker. All right. All right, meaning... we'll take back the fort. Let's ride. La cinématique a été un peu chelou là par contre. Hein. Jour 2. Enquête et pression. Les activités criminelles augmentent la pression, ce qui rend les missions plus dangereuses. La pression diminue tous les matins.
Pour arrêter votre cavale, l'implacable shérif accumule de plus en plus de preuves qui sont transmises par enquête. Conquérir Rocket City avant que le shérif ne boucle son enquête sur vous. Ah. Votre objectif principal est de conquérir Rocket, mais il existe de nombreuses façons de vous hisser jusqu'à la couronne. L'onglet objectif vous permet de sélectionner vos objectifs à court terme et d'en assurer le suivi. Ok. Ok. Bon, ben voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo, cette découverte de Rocket City. Qui, ma foi, a l'air assez particulier comme jeu. Ça a l'air sympa, mais bon, après, c'est vrai que ça a pas l'air fou non plus. Alors, gérez votre équipe d'anglais équipe. Vous gérez votre équipe de spécialistes. Vous pouvez changer leur équipement, les promouvoir, les licencier ou encore recruter de nouveaux. Les membres de l'équipe peuvent être utilisés pour une mission par jour. Pour chaque mission, ils gagnent de l'expérience en vue d'une promotion. Attention, la mort d'un membre de l'équipe est définitive. Ah, ça c'est ballot, hein. Gestion financière. Dans l'onglet bureau, vous pouvez gérer vos finances, vendre le butin de votre réserve, contracter un prêt ou acheter des ressources pour mieux votre bureau. Carrément un prêt. Ok. Garde rapprochée de Baker. Dans l'onglet garde rapprochée, vous trouverez un aperçu de vos conseillers les plus proches et de leurs bonus permanents respectifs que vous obtiendrez en augmentant le niveau de votre chef. Ok. Boss. Touchdown. Casey. Gloves. Ah, il est carrément avec nous, lui. Et Nassara, ok. Ouais, ça a l'air quand même un peu plus complet que je le pensais finalement. A voir en tout cas, on fera une deuxième vidéo sur la découverte de Rocket City. Et puis on verra bien ce que ça nous donne. On verra bien ce que ça, ce jeu nous peut nous offrir. Allez, on va quitter ça, hop. Bon, apparemment il y a aussi un mode, il y a d'autres modes, hein, mais je pense qu'on va se concentrer que sur ce mode là. Donc voilà. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouvera pour une deuxième vidéo sur la découverte de Rocket City très prochainement. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.